Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons découvrir TuxBot. TuxBot est une application qui va vous permettre de travailler de façon ludique l'algorithme et la programmation avec vos élèves. Cette application est gratuite et développée par l'Académie de Nantes. Vous avez ici l'adresse qui s'affiche dans la barre. Je vous la remettrai également dans le tutoriel. Il vous suffit de cliquer sur Télécharger la dernière version pour tomber sur une version Windows si vous travaillez sur des ordinateurs ou Android si vous travaillez sur tablette. Quand on lance l'application TuxBot, on a le choix entre plusieurs modes. Le mode entraînement, vous voyez si je fais c'est parti. On va programmer ici un déplacement. Le petit pingouin doit aller manger le poisson en évitant l'eau. Donc il doit rester sur la banquise. Donc, vous voyez, il doit tourner, avancer, tourner également, encore avancer, encore avancer, encore avancer, ainsi de suite, tourner et avancer pour pouvoir manger, vous voyez, ce petit poisson. Par contre, vous voyez, si on est en mode, on désactive le mode entraînement et qu'on se refait ce parcours numéro 3, nous allons faire c'est parti. Regardez ce qui se passe. Donc, on doit d'abord tourner, on doit avancer, on doit encore retourner, avancer de 1, 2, 3, 4 cases, 2, 3, 4, et ensuite on doit tourner et encore avancer. Et vous voyez que là, eh bien, le pingouin ne s'est toujours pas déplacé. Il attend que l'on appuie sur le bouton Go. Donc, il va falloir prévoir, vous voyez, le codage. Maintenant, vérifions si on ne s'est pas trompé. Voyez, on a la validation immédiate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 premiers parcours sont prédéfinis et que les 20 suivants vous permettent de programmer vos propres parcours. Alors ici sur la petite roue, hein, vous aurez différents paramètres qui sont très intéressants à modifier. Je vous laisse découvrir cette application par vous-même. À bientôt pour un autre tuto.